J'ai été enseignant de l'éducation nationale, donc j'ai été à l'origine du clé, en fait. C'est moi qui ai mis les premières affiches. Ma première réaction, c'est l'élection de Mitterrand, en fait. À la suite de l'élection de Mitterrand, il y a un ministre de l'éducation nationale, qui est Savary, qui est nommé, et qui publie une sorte d'appel à projet que je pense qu'on est quelques-uns à avoir mal compris. Cet été-là, j'étais dans les Cévennes, je me souviens vraiment très fort, et j'achète Libération. Et dans Libération, il y a une lettre de Gabriel Cohn-Bendit, le frère de Daniel, qui écrit à Savary, une lettre ouverte, qui écrit à Savary en disant il y a des enseignants qui se sentent pas bien dans les lycées, il y a des élèves qui sont pas bien dans les lycées, mettez-les ensemble, ça devrait fonctionner. Et je me souviens encore de la réaction que j'ai, c'est il a raison, ce serait bien de refaire quelque chose, mais il a tort, parce que ça ne concerne pas les élèves qui sont pas bien dans les lycées, ça concerne tout le monde. S'il faut intervenir dans les lycées, s'il faut changer quelque chose dans l'école, c'est pour tout le monde. C'est, je veux dire, j'étais au lycée Fresnel. Je fais la rentrée, il ne se passe rien. Et jusqu'à décembre, je pense, où je vois, je lisais de temps en temps la revue Autrement, et je vois dans la revue Autrement une information sur une grande réunion qui aurait lieu à Lille sur l'école. Donc, hop, je saute dans le train, je vais à Lille. Et là, je rencontre des gens qui, effectivement, ont des idées sur les transformations de l'école. Autant que je me souvienne, Gabriel Cohn-Bendit y était, on parle, et je commence à réfléchir. Et tout d'un coup, vraiment, ça, je me souviens, je me dis, c'est le moment. Si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. C'est le moment, il faut faire quelque chose. Et donc, je rentre et je rédige mes affiches. L'école est en train d'échouer. Enfin, j'ai toujours un exemplaire chez moi, religieusement plié. Et j'invite les gens de Fresnel à se réunir et ainsi de suite et d'autres. Et puis, petit à petit, je m'aperçois qu'il y a des gens qui reprennent, des enseignants que je connaissais plus ou moins, qui prennent contact et on se décide pour une réunion le 1er avril. Je crois que c'est à la MJC de la Prairie. Et à ce moment-là, entre les deux, on apprend aussi qu'au Collège Villers-des-Mézerets, il y a des enseignants qui, eux-mêmes, pensent à un projet. Et donc, on prend contact, évidemment. Et du coup, ce qui était à l'origine une idée de lycée devient une idée de collège-lycée. Et je pense que ça, c'est vraiment, au fond, quelque chose de très original, parce que tous les projets qui sont mis en place, qui apparaissent en France à ce moment-là, et on se tient un peu informé, sont des projets de lycée. Et nous, c'est un projet de collège, lycée, avec l'idée du suivi. Je pense que ça a joué un très grand rôle, parce que ça nous a obligés à une discipline infiniment plus rigoureuse que tous les autres établissements qui ont ouvert, parce que on était quand même très conscient que les élèves qui rentrent en collège demandent une attention et un encadrement et un cadre. Mais je pense que cette présence d'enseignants de collège, d'une part, et des élèves de collège, ça a joué un très très grand rôle dans la structuration de l'établissement. On a évidemment contacté la municipalité de Caen, puisqu'on était tous Caennais à quelques exceptions près, et de lycée Caennais. Et on regroupe des équipes d'enseignants. On était quand même une trentaine à peu près d'enseignants et presque tous Caennais. Donc on va voir la municipalité de Caen. Il ne se passe rien. Ils sont polis, nous écoutent attentivement. Ils ont peut-être des intentions, mais il ne se passe rien. Et donc, on réunit un peu et on dit, on va aller voir Hérouville. D'autant plus qu'à Hérouville, à l'époque, c'est François Gindre. Et qu'il y a les écoles ouvertes. Et donc, pour nous, cette logique des écoles ouvertes est vraiment quelque chose de tout à fait important. Parce qu'on se dit, après tout, les écoles ouvertes, notre collège tel qu'on le conçoit, plus le lycée, ça fait une continuité dans la conception de l'éducation qui sera intéressante. Beaucoup des enfants des écoles absolument ouvertes sont allés au clé. Sont allés au clé, beaucoup, beaucoup. Et donc, on va voir la mairie d'Hérouville. Et je me souviens toujours de François Gindre qui nous reçoit dans son bureau et qui savait évidemment que le projet était en cours et tout ça, et qui nous dit, vous savez, ça fait quand même un moment que je vous attends. C'était un vrai reproche. Mais après, par contre, il a été incroyable. Il a vraiment
Sans lui, c'était impossible, absolument impossible. C'est lui qui a trouvé le foyer de jeunes travailleurs. Une autre personne qui était très intéressée, qui était la proviseure du lycée Jean Rostand, c'est-à-dire c'est juste en face de Fresnel, Madame Bagne, qui elle a joué un rôle tout à fait déterminant aussi, parce que le ministère a souhaité qu'il y ait un proviseur de tutelle, en quelque sorte. Et elle a joué le jeu d'une façon vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire, elle nous a laissés libres, absolument libres de nos décisions, tout en endossant la responsabilité. Avec elle, elle a entraîné l'intendant du lycée Jean Rostand. On a eu deux personnes, là, d'un côté Gindre, de l'autre côté Madame Baye, qui vraiment... On portait le projet sans le porter, sans interventionnisme, aucun. C'est assez remarquable. On a une équipe qui, de fait, regroupe quand même des gens avec des passés, des intentions et des exigences différentes, mais qui sont quand même des enseignants qui veulent faire une école et pour tout le monde. La règle de Savary, c'était vous déposer le projet par la voie hiérarchique. On rédige, il en fallait 3 exemplaires ou 4, et je les porte au rectorat. Et puis, il ne se passe rien. Et un jour, il y a une rencontre, je crois que c'était à Rouen, mais je ne sais pas, parce qu'on circule quand même dans ce moment-là, tout le monde s'agite quand même, enfin, tous ceux qui ont envie de voir des choses s'agitent. Et je rencontre quelqu'un qui me dit, tu sais, il y a quelqu'un au ministère qui s'occupe de nos projets, il n'a pas entendu parler du vôtre. Il me donne son adresse, j'envoie immédiatement le document. En retour, je me souviens encore, il y a le censeur du lycée Fresnel qui vient me chercher en classe et qui dit, le ministère vous appelle. C'était Monsieur Giffard. Troisième personne clé qui a suivi les projets avec une attention, parce qu'il aurait pu dire, bon, ils sont hors jeu, tant pis, c'est trop tard, c'est fort clos. Mais il trouve notre projet intéressant. Et du coup, il demande au recteur de nous recevoir. Donc le recteur nous reçoit avec 3 ou 4 personnes de son staff. Monsieur Giffard, du coup, nous convoque, on le rencontre, on va au ministère. Et là, ça se passe vraiment très très bien. Il est intéressé, il est convaincu par l'équipe. C'est là où le côté de Gindre, du maire, c'est-à-dire, il fait les travaux alors qu'on n'a pas le feu vert du ministère, qu'on ne sait pas combien d'enseignants on sera. Enfin, le feu vert arrive pendant les vacances. Mais tout ça pour dire que la réponse est revenue tout début août. Et donc, jusque-là, les travaux dans le foyer de jeunes travailleurs étaient commencés. On travaillait, nous, à organiser les emplois du temps, les programmes, etc. Et donc là, on est les 20 qui se retrouvent, je ne sais plus à quelle époque, vers le 20 août. Et là, on se retrouve à Bourgard, parce que le foyer de jeunes travailleurs ne sera pas fini au moment de la rentrée. Et donc, pour assurer la rentrée, la mairie d'Hérouville nous prête Bourgard. Jusqu'en novembre. Heureusement, il a fait beau. Et là, on est au paradis. Je me souviens encore du soir où on ferme la grille. Le lendemain, c'est la rentrée. Il fait un temps magnifique. Bourgard, il y a les allées d'arbres et tout ça. C'est absolument superbe. Fin novembre, on quitte Bourgard. Et là, ça a été difficile. Parce que l'espace permet quand même d'atténuer les tensions. Donc là, on a eu des moments où il a fallu repenser les rapports entre les élèves, les rapports entre les élèves et les enseignants. On a imaginé des systèmes de contrats pour faire en sorte, pour ne pas entrer trop vite dans un régime de sanctions, mais de négocier avec les élèves sur le comportement, la régularité de la présence, enfin, en particulier au lycée, bien sûr. On n'a pas non plus de cantine. On partage le restaurant avec le personnel de la mairie. C'est assez original. On a une matinée, un premier temps de repas, un temps de cours, un deuxième temps de repas et à nouveau un temps de cours. On avait l'idée de réduire l'heure. C'est-à-dire, on ne voulait pas faire des heures, on voulait faire des 45 minutes. L'idée que l'heure était trop longue, c'était quand même un de nos principes. Ces 45 minutes, on doit pouvoir faire des choses. En même temps, ça nous permettait de dégager un quart d'heure de temps en temps qu'on récupérait pour faire des activités autres que de l'enseignement strict.
l'ambition, c'est bien. Quelle que soit la population scolaire, etc., tout le monde a le droit d'avoir accès à des temps de création, à des temps de pratique artistique, etc. Parce que il n'y a rien qui prédestine, comme ça, a priori, à s'intéresser à la musique, au dessin, à la photographie, à la sculpture, ou à autre chose, peu importe. C'est pour ça qu'il faut penser autrement. Et ne pas penser forcément en termes. C'est aussi notre credo. C'est-à-dire, on ne pense pas en termes de. Dire, où le 1er septembre, on a toute notre année déjà complètement définie. En fonction des élèves, en fonction de ce qui se passe, etc. Il faut qu'on se réserve des temps où on peut imaginer quelque chose d'adapté au moment qu'on est en train de traverser. À la deuxième ou la troisième année, on a été l'objet d'une inspection, de l'inspection générale. Trois inspecteurs généraux qui sont venus. Grand moment quand même d'inquiétude. Et à la fin, je m'en souviendrai toujours. Ils reçoivent l'équipe comme ça, et il nous dit, le premier qui prend la parole nous dit, vous avez fait une école. Grand moment de satisfaction, parce qu'on avait ramé. Parce que moi, ce que je sens, c'est que c'était devenu vital pour vous, ce projet. Ah oui, absolument. Vous auriez vraiment très mal Oui, vécu de devoir retourner à votre oui, voie parce d'enseignant que classique. on a tellement investi là-dedans, on a investi tellement de travail, tellement d'imagination, enfin. Et ça nous a confortés quand même, je pense, tous, dans cette idée qu'après tout, notre idée n'était peut-être pas si mauvaise que ça, et qu'on pouvait peut-être avoir des écoles qui ne soient pas toutes uniformes, chaque Français devant suivre systématiquement la même voie, ce qui d'ailleurs n'est pas vrai, de toute façon, n'a jamais été vrai. Je me souviens du Café des Images qui prend progressivement une importance croissante quand même dans Hérouville. Je me souviens de la vie associative parce que je venais de Caen. Et c'est cette confrontation entre Caen et Hérouville, quand même, c'était une confrontation entre deux mondes vraiment très très différents. Je pensais qu'il y avait un monde qui était ouvert, c'était pour ça finalement on était venu, et qu'on retrouvait toujours quand on faisait nous nos réunions, quand on rencontrait les parents, on retrouvait quand même toujours cette capacité d'ouverture, d'attention à quelque chose qui n'était pas forcément dans les clous, en tout cas habituels. Quand j'avais eu l'idée du clé, enfin pas du clé, mais de quelque chose qui allait devenir le clé. Je pensais que ça pourrait bien se faire à Hérouville, très vite, très très vite. Parce qu'effectivement, Hérouville était Hérouville, c'est-à-dire c'est ce lieu qui était en pleine construction, où on accueillait des gens qui venaient de beaucoup d'endroits, qui étaient très mélangés, et dans lequel, de ce mélange, naissaient des associations quand même qui prenaient en charge le cadre, qui essayaient d'animer un peu la vie et tout ça. Mais j'étais convaincu que c'était à Hérouville que ça se ferait.